Papa! Papa! Ouais? T'as pas vu mon iPod? T'en as eu quoi? Mon MP3, t'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu! Et oublie pas d'aller vider la machine à laver! Ouais, j'y vais. Papa? Papa? Quoi? C'est toi qui as mis mon iPod dans la machine à laver là? T'en as eu quoi? Mon MP3, c'est toi qui l'as mis dans la machine à laver? Ouais, je sais pas, je vais pas faire tes poches à chaque fois. Bah ouais, mais c'est pas waterproof hein. Il n'a plus l'air de s'allumer. C'est toi? Ouais, c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon iPod dans la machine à laver, il est cassé. Et tu connais pas Detectability? Non, c'est quoi ça? C'est ça. Detectability est un détecteur de métaux pour machines à laver. Il est équipé d'une bobine émettrice qui génère un champ magnétique au travers du portique. Ce champ magnétique est capté par la bobine réceptrice qui va envoyer le résultat à un comparateur. Ainsi, si le résultat obtenu est différent de la valeur définie par défaut, cela signifie qu'un objet métallique a transformé ce champ magnétique. Il y a donc un objet métallique qui est passé à travers le portique. Mais Detectability n'est pas n'importe quel détecteur. En effet, il est universel et s'adapte à toutes les machines à laver. Ceci est possible grâce à un système de sa barre inférieure qui permet de régler la largeur du portique. Regardons un exemple avec une machine à laver à chargement par le devant. Il suffit de venir poser le détecteur sur les bords de celle-ci et d'adapter la largeur en fonction de la largeur de la machine. Ainsi, nous pouvons ouvrir la porte et mettre un linge dans la machine à laver et le détecteur va sonner s'il y a un objet métallique. Grâce à un système de signal sonore et lumineux, la personne pourra savoir s'il y a ou non un objet métallique qui est laissé dans le vêtement. Ainsi, les objets métalliques sont protégés et la machine est préservée. Alors, comment se fixe Detectability sur la machine? C'est très simple. Il y a en fait 8 aimants qui vont venir se coller sur la face de la machine et ainsi Detectability va tenir très fortement. Pour ce qui est du signal sonore et visuel, c'est très simple. Ce sont seulement des LED disposés tout autour du portique et qui sont, comme vous allez le voir, disposés dans des rainures afin qu'elles prennent le moins de place possible et que ce soit le plus design possible. Revenons maintenant sur l'universalité dont je vous ai parlé tout à l'heure. En effet, il n'existe pas qu'un seul type de machine à laver, il y a aussi les machines à laver par chargement sur le dessus. Ainsi, Detectability, grâce à 4 pieds pivotants, avec à chaque bout 4 aimants eux aussi pivotants, va pouvoir s'adapter à ce type de machine. Regardons, on va l'adapter à une machine à chargement par le dessus. Il suffit, comme tout à l'heure, de bien positionner le détecteur par rapport à la largeur de la machine, de bien positionner la partie réglable de notre détecteur derrière la machine, et ainsi, ça ne gêne ni l'ouverture de la porte, ni l'ouverture du tambour, et grâce à une certaine hauteur des pieds pivotants, le détecteur est assez haut pour ne pas détecter la partie métallique du tambour. Comme vous l'avez vu, Detectability est universel, simple d'installation, simple d'utilisation, il ne prend pas beaucoup de place et son design est élégant.
Tu vois, ça t'aurait fait économiser un iPod et une machine à laver.